Bonjour, bonsoir, tout fanatique, journal 9. Bandi Axam continue à mettre 100 chrétiens vivants dehors. Yo continue à faire 100 couler. Yo continue à couler 100 innocents dans le pays d'Haïti. Je dis encore, nèg Axam, yo fizye et touye 2 citoyens qui étaient dans la machine yo, dans la zone Paco. Pas de monde qui connaît dans quelles conditions Axa lui-même li rive et posé, mais selon témoignage quelques monde, c'est parce que yo t'a fait tentative pour kidnapper deux monde ça qui était dans machine yo dans zone Paco, yo semblait pas d'accord, yo résister. Ben nèg exam plein yo ak katouche, ou était la vie yo, fait voile pour payer sans chapeau. Joe Canel, journal 9. Cause banditisme, cause criminalité dans pays d'Haïti, bagay ça, c'est ké cassé, bagay ça, pas de solution pour lui jusqu'à présent. Fanatique journal 9 en pile monde par contre qui ça pour dit encore devant situation insécurité qu'a valé terrain dans pays en pile monde par contre qui c'est pour reler yo pas cap adresser à autorité encore parce que yo estimé autorité yo finalement définitivement semble c'est tout bon yo pas gain réponse devant ça qu'a passé dans pays d'Haïti. Joe Canel, journal 9 en mec qui t'en dou. Dans même cause insécurité ça gagné ancien sénateur Yuri la Tortue qui lui-même bail solution monsieur estimé que li bail solution ou bien un plan pour résoudre problème insécurité à qui ça a plan yé monsieur fait qu'on le bail gouvernement plan li bail la police plan mais c'est eux même qui a décidé s'il a appliqué ou bien s'il a metté le tiroir mais il fait qu'on est que c'est déchouqué pour déchouqué gang yo. C'est déchouquer pour déchouquer nèg exam yo, c'est pas quadriller et capital, c'est pas faire quadrillage, mais c'est déchouquer nèg yo, al préo nan base yo, déloger yo. Fanatique journal 9. Et pour arriver faire ça, sénateur a expliqué faut que monter une gros unité qui capable combattre gang yo d'après Yuri la Tortue. Connais monsieur, c'est un ancien militaire. Donc monsieur connait causer sécurité très bien. Fanatique journal 9, il fait qu'on est là pour rencontrer émissaire deux émissaires pays américains bien pour voyer dans pays et yon nan cause la parler avec émissaire américain yo c'est cause sécurité ya, et l'a dit yo Haïti pas besoin troupes étrangers selon Yuri la Tortue ande de monsieur fanatique journal 9 k'ap bay en pile détail sur qui gens pour résoudre problème insécurité ya. Le problème pas gagné et chaque jour ça nous est gang a augmenté dans votre président. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information en gang, alors que ça nous dédouait, justement, disparition en gang. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté un peu de monde, il y a déporté environ 4000 Haïtiens, d'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentrait. Au moins que vous capaïtiez. Mais nous connaissons ce qui s'est passé. Moi, c'est qui entre là. Nous connaissons les haïtiens qui étaient en difficulté. Mais on va voir qui est infiltré dans le monde. Lorsque vous êtes rentré, vous quittez le bail OIM, OMM, pas de aucun fil qui fait de record pour nous. Est-ce que le pays n'a pas besoin de filtrer 2-3 millions d'années que vous avez voyé par nous? C'est ça qui a fait encore l'atmosphère de sécurité à l'époque. Donc je dis à l'État revéatif. Dans deux points que l'État revéatif. Premièrement, nous avons qualifié l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire que c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse ça par nous. Et nous disons, nous voyons que le jour n'est là. Nous avons vu les gens qui ont commis contre le Parlement, les gens qui ont commis dans la rue, ou à dire qu'il y a des mêmes politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gambio, mais l'État doit prendre toutes mesures pour le protéger le territoire, pour que n'importe qui est capable de ce territoire, les filtrer pour le connaître son monde qui n'a pas grandi Gambio. Ça, c'est le premier travail que l'État doit faire. La question banditisme d'État pour que dans un premier point l'État est là pour la population
l'État là pour protéger la population et gang yo yo isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis à la petite que la police quadrille bon, c'est une bonne parole. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller le cœur pas des zones de non-droit. Zone qui est de non-droit, pas qu'à quadriller. Même le quadriller au côté. Eh bien, depuis c'est dans la zone ça qui est d'améliorer. Depuis c'est dans la zone ça, je ne sais pas faire. Je dis déjà, c'est déloger les gangs côté OIA. Et pour nous déloger côté OIA, il y a un plan pour nous mettre en application. Il y a un plan pour nous mettre en application. Le plan ça, il doit y avoir deux parties là. Mon premier partie, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que vous nettoyer la police là. Il y a un pile policier qui est infiltré là. Pour que vous redéployez, font un redéploiement opérationnel par rapport au redéploiement administratif qu'il a, vous devez mettre les policiers, remettre la formation. Ça, c'est la première partie de façon générale. Mais la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est comment vous déloger ou gang. Vous songez depuis longtemps, dans la vie, vous avez gagné, ça a été l'unité anti-gang. Quand il y a gang dépassé, il vient tourner des terroristes. Et faut nous tourner une justement. Donc il a dit anti-gang slash anti-terroriste. Parce que c'est notre gang, que c'est notre terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à gang. Il a vu que les réagir en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne peut pas mettre une unité sans avoir avec eux. On va me déloger. C'est pour monter une unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Il y a 6 pelotons. Qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en une unité, ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans sa il faut nous combattre pour nous protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va le faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, remettre sa main. Si on remet, c'est bon. Si on va remettre, unité d'infiltration, il va le prendre, leader, le monde qui va le remettre. Il vient pour mener au devant la police. Et si c'est d'autres monde qui a défié la police va le prendre. Combattre. Parce que la population, nous sommes monde qui pour combattre aujourd'hui. Et ça a alimenté au budget. Ça a alimenté à ce que les policiers que vraiment, ils ont filtré pour qu'ils connaissent qui partent dans la gang, qui ont mis à part, qui ont formé. Alimenté au budget pour qu'ils mangent. Alimenté au budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment pour qu'ils puissent combattre les kidnappers, qu'ils puissent combattre les gangs. Et ceci, si nous faisons, moi dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que quelqu'un qui est de 80, 200 personnes, c'est trop petit. Il faut lui faire une seule unité. Et unité ça, la charge de question de gang, pendant que la police a occupé des gens normaux. Demain, nous allons nous rencontrer à Émissaire. Il y a un point majeur que nous parlons avec eux, c'est la question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui ont venu aider nous dans la formation, qui ont fait que l'équipement nous a besoin, l'équipement approprié. Nous avons des blindés, je vais les lâcher. Je dis, pas des blindés, c'est des blenders. Je dis, nous avons besoin de gros blindés. Nous avons besoin de gros douanes. Nous avons besoin des experts qui ont des formations ou bien des experts qui ont aidé à l'opération. Parce que tout étranger par exemple, combat banditisme dans l'autre pays. Nous avons besoin que vous formez une idée par nous, pendant que des experts haïtiens, et moi-même, je suis volontaire en formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous délogions. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur sécurité.
et nous avons fait le combat ça pour nous protéger les Haïtiens. Protéger les familles, protéger les timons, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands monde, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment vous comprenez? Pour une soeur ou une cousine, et vous entendez qu'il y a kidnappé, qu'il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, il y a le devoir. Pour bataille de sécurité, il faut tourner le choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne qui fait que nous avons une insécurité. Nous te dit, oui, nous te dit, depuis avant Jovenel Ayer. Si Jovenel pour aller, les Jovenel Ayer, n'a pas responsabilité dans la question de sécurité. Et comme de fait, nous prenons. C'est nous qui soumettons plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons plan à la police là. Mais nous sommes dans la route. Mais nous sommes dans la route. Nous continuons à parler de ça. Nous continuons à travailler pour que ça nous a fait à nous faire. Mais pour agir bien, pour responsabilité d'État. Pour responsabilité d'État pour des mouniers. Si nous avons le pouvoir, la responsabilité, il a fait. Mais si nous ne la donnons, nous ne pouvons pas faire. Nous avons un plan, nous avons un conseil. Nous avons parlé de l'Iran en politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir. Il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et je dis, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de bataille pour ça. Jusqu'à ce que Mayimi, jusqu'à ce que tout le pays ici, est sécurité. Merci. Question de conseil électoral. Pas de conseil électoral dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent ou bien un conseil électoral consensus. Ça, c'est là, ni un ni l'autre. Quand nous sommes là, nous avons déjà mis côté. Pour nous, nous avons existé. C'est la seule problème. Mais moi, je dis un seul bail qui manque. Il faut qu'on consensus. Ariel Henry a le seul pas de légitimité pour le mener par pays. Il faut que un accord global et inclusif qui bail la légitimité, qui a bien Montana, qui a bien Pen, qui a bien Tiasena, qui a bien marché pour la vie, et lui-même encore mal là. Nous pas qu'à engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, ils ont exprimé ça, vous voulez, pour nous d'accord pour mettre ensemble. Et là, ça a à l'aise pour que dans l'accord, ça a, nous entrer là-dedans et nous dit ça a fait là-haut. Ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là, eh bien, dans 3 mois, question de sécurité, ça a. En dans la police là, côté des policiers qui n'ont pas de ça fait 3. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute population dise abagan, abagan. Tout le temps avancé, le sénateur. Nous avons là depuis avant, et me songeait, en 2018, pendant la première manifestation, eh bien, pouvoir financer ANEL avec des centaines d'hommes armés. Ils ont paniqué dans le Parlement. Et puis après, le président a fait venir pour Radio Kiskeya pour croiser avec nous. Et puis il a dit que c'est nous-mêmes qui mettons.
Et me débat information de ça, désir président Jovenel qui fait. Donc, pour afficher mémoire, quand nous là longtemps, sans se parler à c'est le banditisme politique. Le monde utilise gang pour arriver sous pouvoir. Mais lors au pouvoir et que vous utilisez gang la précarité, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est État, tous les décondamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel. Ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ils sont tous condamnés. Que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. On parle de la sécurité, nous on parle seulement de la police. Et l'armée a c'est que l'armée a généré là, qui va en état pour attaquer le problème. L'armée a pour moi un état-major qui va fonctionner. L'armée a des problèmes depuis leur organisation, hein, qui fait que même aux armes, ils ont des politiques en bas de sous. Et pour moi, par contre, à niveau entraînement, l'armée a rien. Parce que dans la promotion formée, je n'ai pas aucune idée de formation que vous avez, donc je ne vais pas parler de l'Ouvaille. Sénateur, nous connaissons la police n'a pas capable de résultats satisfaisants sur le service de l'enseignement secret. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'au moins d'effectif et bien capable de résultats? Nous ne parlons pas de au moins d'effectif, nous parlons d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit gagner la dent pour une unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problèmes qui sont dans la police là. Gros défi, c'est intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, la mettons unité d'intelligence. Voilà, c'est explication ça. Yo, oui, la tortue, lui-même, il t'a bail. Qui, genre, comment, un bel problème, insécurité. Un problème, nest exam dans le pays, lui-même, il est capable de résoudre. Fanatique Journal 9, je ne dis, monsieur, son ancien militaire, si je ne me bats pas, il était responsable sécurité tout. À une certaine époque, dans le palais national, donc, causer sécurité, hein, monsieur Connell. Fanatique Journal 9, nous toujours ap di autorité ou pas gen plan, ou pas gen solution. Est-ce que ou pas fait être di ap appliquer plan ou la tortue? C'est ou même kap gen pour wè si li faisable ou pas, Joe Connell Journal 9, mais population li même li estime que nèg yo pas capable, sont ben incapable gen en tête pays là. Le fait que ou pas jam kapote réponse à problème nèg exam kap kidnapper moun fè san koule nan pays d'Haïti. Ah ben, gen l'ordre démocratique son parti politique que ancien sénateur Jean-Renel Sénatus c'est un nan dirigeant yo. Yo mandé tout pour la police fait travail, yo mandé pour autorité gouvernementale yo bay la police plus moyen pour ka traquer bandi yo, pour ka gen sécurité ki tabli nan pays ya, parce que trop crime, trop zak assassinat a fait nan bayan Joe Connell Journal 9. Et yo fait konnen tout gagne gang quoi des bouquets à 400 maozo qui gagne la tête l'un mois sans jour qui par jam suspend fait ancien sénateur sénatus en pile menace et autorité au compte ça mais au pas jamais les sénateurs un jour vous mandel qui j'en fait gang yo a fait le menace qui j'en au caidel qui ça au ka faire pour lui l'ordre démocratique dénoncer ça et parlant pile causé encore Joe Connell Journal 9 entendez responsable l'ordre démocratique. Yo banditisme d'état cap simé la terreur cap fait kidnapping et quand ta sol ça chaque moun joine mes pa yo journaliste joine artiste joine la police joine père joine pasteur joine yo rentre l'église yo crasé yo brisé yo touyé moun yo kidnappé piéton. Yo prend moun ak machine, machin charbon, chan, bref, nous nan anarchie totale. Mais nous devons surtout rappeler population yon bagay. Jodi an, c'est pas parce que la police la en soi li pa gen capacité pour pacifier pays an si toutefois donc yon ta équipé li. Mais le problème c'est que ni la police là ni gang yo yo placé sous même commande sous même commandement gouvernement financé tout de yo tout de ces petites gouvernements mais constat yo montré que gouvernement gagne une nan petite sa yo li remet plus que l'autre qui c'est gang yo yo facilité yo fait kidnapping jan yo vle yo touye et boule moun. Let fè yo plaisir, yo bloke zone et pour travail ça. Toute journée, yo recevra
gros magot l'argent de temps en temps dans même gouvernement et yon l'autre bord ou gagne yon la police qui pas ka toucher yon la police côté quel investissement et pas fait temps pour équiper yo yon la police côté y a pas en compte cartouche bay policier qui pral bataille ak de gang qui yo même pas gen problème cartouche parce que cartouche gang pas bloqué la douane c'est comme si nous t'a dit tant que moun sa yo gen franchise pour question de cartouche dans pays ya finalement nous quoi c'est pas possible c'est ça qui fait nous même au niveau de l'ordre démocratique n'a exigé un yon l'autre leadership dans tête police là parce que ça l'est en chala fait dans tête police là personne moun pas connaît ça li c'est tout simplement c'est des moun qui marché dans machine freeze avec en pile sécurité kagé qui gen PDM qui gen carte téléphone qui gen donc gaz qui brûlé comme l'état malheureusement qui pas remettre rien comme résultat parce que jodi a tout moun dans prison la caillou et moun qui risque prendre la rue c'est la vie à la mort sur une cartouche qui sépare. Deuxièmement, faut que l'État concentre les ressources moun ak l'argent pour équiper la police là. Parce que priorité population, priorité moun qui paye taxes à impôts dans le pays, c'est bon gens sécurité qui pour nous le premier des biens publics. Maintenant, pour question Ariel qui kembe pouvoir nan mail de façon illégale, je dis à au niveau de l'ordre démocratique ni au niveau des protocoles d'entente nationale là que l'ordre démocratique signé et fait partie, et nous constater nan place transition coupé fâché que n'a prôné depuis longtemps, c'est une transition coupé raché avec deux trois réactionnaires dans Port-au-Prince qui ont même mis tête ensemble pour gagoter l'argent. Parce que yo fait en sorte nous pas capable pour moun wè ça n'a pas lié nous nou dit l'accord. Pour moun wè ça n'a pas lié oui, mais c'est pour un accord. Et avec deux trois nèg nous dans Port-au-Prince côté diaspora pas la donne. Côté et majorité parti à organisation politique pas la donne tire sénat et qui gagne un minimum de légitimité pas la donne tout respect yon pas la donne bon si ou est l'ordre démocratique qui lui même qui prône des questions de justice et sécurité depuis longtemps donc pas nos bagailles bon tout le monde comprend tout son l'obéille son l'obéille et pas qu'on qui ça a réglé. Et en tout cas, nous-mêmes, nous constatons que ça qu'a fait jodi, j'en nous dit là, son l'obéi, c'est macraque politique qui a fait, et nous-mêmes, nous pensons que le pays n'a pas mérité ça, et au niveau de l'ordre démocratique, nous pas croyons, nous prêtons pour nous accepter quantité ça qui a fait dans le pays avec des gens sans légitimité et qui illégal. Qui prend l'État en otage, qui rassemble le pouvoir autour de eux-mêmes seuls. Et c'est ça, je ne peux pas comprendre. Nous avons des gens qui ont critiqué Jovenel Moïse, que nous-mêmes nous avons critiqué tout. Nous avons dit les dictateurs parce que donc réalité, râler tout pouvoir, yo concentrer le pouvoir dans eux. Et nous gardons même un peu quelques gens et à supporter. Et Ariel qui lui-même rassemble tout pouvoir dans eux. Côté personne monde dans pays les forces vivantes de la nation des forces sérieuses dans pays donc quand eux même yo pas impliqué dans question et qu'a fait aujourd'hui OK nous la démocratie et au niveau de l'ordre démocratique nous même nous pas gain problème pour nous accepter quel que soit ça qui fait et nous même nous gain position nous clair par rapport à ça qui a fait aujourd'hui mais si nous vivons côté nous t'a estimé par exemple toute force paysan ta rassemblé yo di écoutez c'est là pour nous aller parce que c'est ça qui a dans intérêt paysan nous prêt pour nous courber nous pour nous avancer mais jodi a li pas un secret pour personne ni nous même au niveau de l'ordre
ni population et ni nous même tout comme journaliste, nous estimer que jodi a conseil des monde qui ministre, conseil des monde qui relait tête au premier ministre, gen monde qui relait tête au directeur général la police. Et jodi a donc un monde qui choisit prendre la rue, c'est des monde qui risque parce que bandi bay moun bout de terrain. Bandi bay moun bout de terrain, donc nous estimer parce que constat c'est qui ça. Nous estimer que et le rap fini là ou mettez gaz dans machine. Bon, ou achetez dans la rue. Parce que journée jodi, nous n'en pas 3 mois là, pas de gaz dans le pays. Ya. Et pendant que vous achetez gaz dans la rue, ya, ou bien vous achetez manger, mettre la caillou, ben vous payez taxes, vous payez impôts. Mais yon même impôts et taxes que vous payez, hein? C'est yon qui a l'endé dans le budget, hein, qui a payé moun sa yo, comme première résidence, comme deuxième résidence, comme BTM, comme téléphone, comme bureau. Et frère pour y aller à tout côté yo vle. Mais écoutez, pour qui résultat jodi an nous même nous dit c'est mission avant poste, c'est ça nous dit. Donc quel que soit moun qui a dirigé là, donc qui pas ba résultat et nous constater yo pas ba résultat, nous même nous prenons responsabilité nous et jodi an nous venir là pour inviter population, chacun citoyen séparément, pour yon prendre responsabilité yo, pour nous dire est-ce que nous avons choisi pour prendre bout de terrain dans mes bandits yo, est-ce que nous avons choisi pour comme nous continuer donc à financer bandits, est-ce que nous avons choisi pour yon continuer affaiblir la police la, démoraliser les yo, ba yo 2-3-4 pour aller vivre la tête, nous compte ça qui passe yo mourir ces chiens qui mangent quatre avions pendant donc ou gen bandits. Donc de temps en temps c'est goma go gouvernement à ba yo. Parce que travail à faire, donc yo bon. M'pas connaît comme nous on a fait avec un bon ennemi de la République qui prend l'État en otage. M'pas connaît si c'est pourri à terre pour permettre que yo fait et plaisir donc à des peut-être des monde. M'pas connaît quel que soit côté on yo est dans monde là qui a travaillé pour lui. Deuxième volet de question. Effectivement, président Patian qui se mettra Jean-Renaud Senatus, la presse voit depuis l'el commissaire du gouvernement et jusqu'à après mandat comme sénateur, en pile pression. Parce que nous connaissons qui travail été fait en dedans commission justice là. Et d'ailleurs, yonne gang qui a bal pression yo. Moun ka bal pression c'est numéro 2 li nan gang là parce que numéro 1 en prison. Et les sénateurs lui-même zone 2015-2016 lui-même donc en lité et gardez donc en li pas capable quitter au moins donc pour des gangs à prendre pays donc en otage comme ça. Li te tient à ce que la police a fait travail yo et la police est arrivée et dans recherche yo donc appréhendé et chef gang qui jusqu'à maintenant en prison. Donc ou connait on qui font travail comme ça pas après mais li. Donc en pile pression. Et malgré Senatus, ancien commissaire du gouvernement, ancien président commission justice dans Sénat, sénateur de l'Ouest, sénateur de la République, la presse voit pression. À aucun moment, DG la police approche, je parle avec lui, on joue pour t'écouter, sénateur qui s'abat gagné. On la police qui gagne, pour qui gagne mission pour le protéger vie avec bien. Jusqu'à maintenant, le chef du CSPN ne voulait pas l'aider, Ariel Henry. Pas j'aimerais les longs jours pour t'écouter, comme chef CSPN, m'apprendre que comme ancien président de la commission justice, comme sénateur de la République, ou après la pression, qui ça va gagner là? De l'autre côté, nous gardons ces gangs qui sont au champ pour nous. Donc finalement, lui dit, il faut que quelque part, lui même, lui fait, et comment dirais-je, ils ont déplacé qui coïncidait. Parce que même si il pas de bagarre il bénit même si pas de pression il t'a toujours fait déplacer hein? Parce que sénateur ça fait un doctorat que il t'a gagné donc des cours pour ta suivre donc en présentiel, donc il est obligé de déplacer. Ils ont déplacé qui coïncidait ensemble avec et niveau pression que la presse va aujourd'hui hein? Mais en général c'est sous champ de bataille il tombé avec toute famille. Et comment? Et je n'ai pas gagné avec toute famille, puisque je connais que depuis le commissaire du gouvernement, il a été venu tirer la Kaili, il a tiré chien la Kaili,
yo te mette nan ti soulier li ki permet ti moun yo pa te ici ti moun yo te deja donc l'autre bord wa. Est-ce qu'on comprend? Parce que donc quand yo te servi la vie impossible chaque côté le rete yo vin tire sou li même chien la kali yo touye. Donc ti moun yo depuis l'été commissaire du gouvernement parce que son je quantité moun li tap maré le commissaire du gouvernement donc li te nan obligation ti moun yo te deja par là. Donc jodi a déplacement c'est seulement lui même. Donc moun ni jeune l'autre bord qui gen lien familial avec lui, yo te déjà l'autre bord. Qui position l'autre démocratie? Tout yo pa gen ni titre ni qualité. Même pas rentre dans affaire yo parce que c'est illégal ak illégal kap bagay kon yo. Ariel son illégal, c'est pe ça, c'est bagay illégal qui pa prêter serment. Comment? Donc c'est des illégal ak illégal kap prendre kon yo. Donc jodi a la moun di m kon ça. Oui, son chaka. Là on dit comme ça est-ce que ça nous ouais donc Ariel fait il veut essayer pour aller est-ce que son bagage est illégal moi oui parce que nous dit qu'être nous pour nous dire Ariel pas légal si Ariel comme principal là il pas légal comment donc action la poser yo qui c'est des accessoires yo ta capable donc légal donc yo pas légal mais CEP ça tout il pas légal donc Ariel voye yo aller très bien et Ariel tout n'a demandé lui même tout qui l'a donc en l'a essayé et comment dirais-je retirer pied lui ou bien chercher s'il a capacité pour ça un consensus national côté diaspora impliqué côté parti politique impliqué côté société civile impliqué côté seul monde qui a légitimité dans le pays qui c'est 10 sénateurs quel que soit problème ou carré avec eux mais 10 sénateurs qui en bas yo au moins s'il a capacité pour au moins donc lui joindre ça nous pas de problème qu'il rete mais s'il pas de capacité pour jouer un consensus national s'il pas de capacité pour la sécurité dans le pays nous demander que ça lui fait pour CEPA que lui même donc lui fait voilà nous sommes des responsables démocratiques qui ont parlé sous cause sécurité hein? Mais tout sous cause politique là quand on fait qu'on est que son équipe Green 5 n'importe au prince qu'elle signe accord avec premier ministre Ariel Henry yo accord qui pas inclusif qui pas impliqué tout le monde donc l'ordre démocratique façon yo parler yo pas dans accord ça avec Ariel Henry qui yo estimé son paquet Green 5 qui besoin font transition coupé raché pour continuer piller caisse l'état pour continuer plein poche c'est pour une transition cap dans intérêt population hein? Fanatique journal 9 selon l'ordre démocratique yo même qui t'ai parlé comme ça ou qu'on formule là déjà pour abonner à channel ça si ou poko abonner avec lui pour encourager travail ça prend quelques secondes cliquez sur subscribe pour qu'à abonner et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo sur journal 9. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et puis suivez-nous tout en ben tout côté nous-mêmes nous upload information tant que Facebook, Twitter, Instagram, j'en nous sont dit ou li toujours vide love l'amour affection pour nous dans Cachabzel PayPal pour ou capable encourager travail ça côté nous pas jamais suspendre bousquer information tout partout porter pour vous. À n'importe qui moment qu'à la nouvelle vidéo, toujours checker journal 9, toujours brancher journal 9 et puis partager vidéo yo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram. N'a faut camper là avec vidéo ça.